Ok. Toutes ces années passent, mais je me sens toujours incompris. J'ai subi trop de pression, je suis comme abasourdi. J'ai envie de tout lâcher, mais c'est pas le moment. Je commence à remonter la pente tout doucement. Je suis usé comme mon bic qui gratte papier, usé comme mes semelles qui grattent ma tête. Toute la journée, j'ai enfin trouvé le moyen de m'exhaler. Alors je m'accroche pour ne pas tomber. L'important c'est pas la chute mais l'atterrissage. C'est bien le soir que les larmes coulent sur mon visage, et j'envisage clairement de noyer ce désespoir. Allez viens prends une taille, on va broyer du noir. C'est la triste routine, ouais tu peux me croire. Moi pour avoir une autre vision de ce monde en devient dérisoire. Semblable échiquier, on se bat entre cavaliers sans tête. Et on s'entête à se dire qu'on peut y arriver dans une société où l'affrontement est nécessité, où être le meilleur est forcément gage de succès. Se comparer aux autres est devenu inéluctable, la seule et unique manière pour que ta venue soit stable. Ce système qui t'écarte dès que tu viens pas d'un réseau élitiste. Je compte bien y arriver même si je suis pas sur leur liste. Et c'est triste de se dire que c'est pas prêt de changer. Mais t'inquiète c'est pas pour ça que je vais arrêter de rêver. Vos lois soi-disant démocratiques passeront jamais. Emmanuel, viens me voir, je t'en mets une dans les valseuses. On restera assis, on restera soudés. Aucun chef d'état nous dira comment avancer. J'ai quand même l'impression de me battre contre une marée humaine, noyé dans cette marée qu'on appelle la société.